tonight at all. Non. Just non, wanna watch them stars fall. But you who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Petit déjeuner d'automne, on a ressorti le poète. It's not what we see, it's what we choose to be. And bare feet. Oh, but you each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. Grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good. I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her. Just wanna watch them stars fall. But you who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Que vous êtes en pleine forme, on est vendredi, aujourd'hui ça y est, week-end arrive, dernier week-end avant la rentrée, et il pleut aujourd'hui, on a encore une fois une journée d'automne, alors je sais pas, logiquement nous annonçons un beau week-end, mais pour l'instant c'est pas, hein, on n'a pas l'impression qu'il va être là. Alors je viens de redonner un petit coup de propre à la maison, il me reste mes plaids de canapé à faire, je vais le faire juste après, là je suis en train de laver, vous voyez tous les petits chiffons blancs que j'utilise pour le ménage et tout, je les lave à part, et comme j'en avais pratiquement plus dans ma petite panière, je me suis dit il est temps de les laver. Donc du coup je les ai mis à laver, j'ai redonné un petit coup de propre à la cuisine. J'en ai profité, j'ai fait l'entrée, etc. Comme ça, c'est fait. Je suppose que vous avez vu que j'avais un nouvel aspirateur laveur. Alors, c'est un aspirateur laveur de la marque Proscenic. C'est une marque avec qui je travaille très souvent. C'est leur nouvel aspirateur laveur. C'est le F10 qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer pour que je puisse le tester, etc. etc. puis vous le faire découvrir. Alors, outre sa couleur blanche, qui s'accorde du coup à mon intérieur, bon c'est un petit détail hein. Mais du coup là je l'ai mis là en attendant et je trouve que voilà, ça fait beaucoup mieux qu'un gros truc noir, enfin voilà c'est juste alors j'adore la marque Proscenic parce que je la trouve très simple d'utilisation, et celui-là il y a des petites
changements par rapport au F20 qui font qu'il est encore plus facile à utiliser. Alors, c'est la version, je dirais, en dessous du F20 parce qu'il y a des options qu'a le F20 que celui-là n'a pas. Par contre, il y a des choses que lui fait que le F20 n'a pas. Enfin, un ou deux, ouais. Enfin, je ferai une vidéo qui compare les deux si ça vous intéresse. Je vais encore le tester pendant quelques jours et après, ouais, je comparerai correctement les deux. Mais déjà, le premier truc que j'aime sur celui-là, c'est sa facilité à enlever la brosse. Vous savez, moi, avec Marley, souvent les poils se montent autour de la brosse. Et là, en fait, ils ont fait un système. Je vais vous montrer. En fait, avec un système avec un clips. Et du coup, ça va tout seul pour l'enlever. Surtout quand vous êtes comme moi, vous avez des ongles. Chaque fois, on galère pour les enlever. Là, en fait, il y a un truc qu'on vient soulever. Et paf, on arrive à retirer tout seul la brosse. Je vais vous montrer sur l'aspirateur. Donc, en fait, l'aspirateur est livré avec deux brosses. Il y a un petit bidon de produits nettoyants comme ça. Il y a deux grands réservoirs. Donc, un réservoir d'eau froide, d'eau propre et d'eau sale. Et ce que j'apprécie surtout sur les Procénic, c'est que il a l'option séchage. Séchage, c'est ce que je vous entendais là. Je sais pas si vous entendez, alors c'est assez discret, hein, mais il souffle un petit peu et du coup vous n'avez pas besoin d'enlever la brosse pour la faire sécher. Il est prêt à utilisation et c'est ce que j'adore sur les Procénic, c'est que vous avez besoin de l'utiliser, pas besoin d'enlever la brosse, de remettre la brosse, d'enlever le filtre de machin et tout. Non, hop, un dégât, paf, on l'utilise, donner un petit coup, paf, on l'utilise. Donc c'est un aspirateur laveur qui il aspire la saleté et il lave en même temps, donc double usage. Donc du coup, bah, le matin vous voulez donner un petit coup à votre maison, paf, vous n'avez pas besoin de retirer la brosse et de perdre autant de temps. Et une fois que vous avez fini d'utiliser, vous le remettez sur sa base et vous lancez le nettoyage automatique et il se met en séchage auto, prêt pour une autre utilisation. Donc je vous montre cette histoire de brosse là parce que franchement je trouve vraiment ça pas mal. Je vais le mettre sur le plan de travail en hauteur pour que vous voyez mieux et que ça soit plus facile pour vous. Vous voyez, il est livré avec deux brosses, il y en a une dedans. Donc pour pouvoir enlever, hop, un petit bouton, il y a juste à presser et ça s'enlève. Et du coup la brosse, souvent moi avec les poils de Marley, il y a des poils qui viennent se mettre ici un petit peu. Donc si je les enlève pas, ben la force ça s'en mêle, c'est voilà. Donc il faut quand même rincer un petit coup. Alors moi c'est parce que j'ai Marley qui a des longs poils et que voilà, il les perd énormément. Si vous avez un petit chien, je pense qu'il n'y a aucun souci, hein. Alors vous voyez, il y a le petit clips ici qu'on vient, hop, soulever et on vient retirer la brosse. Ça va tout seul quoi, en fait. Paf, un petit coup pour enlever les poils au-dessus de la poubelle, on donne un petit coup ici et pour le remettre, donc c'est la même chose, on ouvre le petit truc, on vient, hop, le mettre. Alors et voilà, on appuie un peu et puis ça y est, c'est mis. Donc ouais, pour moi qui ai des ongles, c'est une révolution. Je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'il y en a certains, c'est deux pinces à attraper comme ça et à tirer. Mais du coup, moi avec mes ongles, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur en fait, mais je dois le faire avec les ongles. Mais quand vous avez des ongles très longs, vous n'avez pas cette pression en fait sur les ongles, que la même chose sur les doigts quoi, en fait. Donc souvent, je laissais l'aspirateur de côté et j'attendais que Greg rentre pour pouvoir le faire, ou un des enfants ou quoi. Mais là, du coup, ouais, il est, en plus il a une tête un peu plus petite, donc du coup c'est bien parce qu'il passe entre les meubles et tout, et sur les côtés aussi, ça aussi c'est pas mal, c'est que sur les côtés ici de la brosse, c'est deux bords fins, vous voyez, donc du coup il va au plus proche des murs de chaque côté, au plus proche des plinthes, donc il va nettoyer au plus proche des plinthes. Après, quoi, comme je vous ai dit, un grand réservoir là d'eau sale et ici un réservoir d'eau propre. Et son filtre, c'est un filtre en mousse, hop, ici. Donc c'est pas un filtre AirPa ou je sais pas quoi, il y a juste à le rincer, il n'y a pas besoin de le changer. Parce que ça aussi, il y a des moments, les aspirateurs laveurs n'aspirent plus aussi bien l'eau à cause du filtre, parce que le filtre est surchargé. Là en fait, il suffit de le rincer, donc vous n'avez pas besoin de changer le filtre. Donc voilà, c'est cool. Puis ça change la couleur blanche, souvent ils sont noirs. Après, comme je vous dis, c'est un détail, hein, mais quand on n'a pas la place pour les ranger, on aime que ça se confonde dans notre décor. Et du coup, voilà, ça se confond. Hop, là, il est en recharge.
Alors, pas d'application, rien de tout ça. Tout simple, comme je vous ai dit. Il y a juste un bouton ici. On peut même éteindre le son si on le souhaite. Et on appuie dessus pour changer la langue. C'est tout, pas besoin de mettre d'application ou quoi que ce soit dessus. Et là, je veux relancer le séchage, le mode séchage. Je vais juste appuyer pendant 3 secondes dessus. Séchage des brosses à rouleaux et activé. Voilà. Et c'est parti. Et il s'éteint tout seul quand le rouleau est sec. Et du coup, il est prêt pour une prochaine utilisation. Voilà. Bon, alors, il vient de sortir. Du coup, petite promo. Je vais vous mettre les informations en barre d'infos. Alors, je vais prendre mon téléphone pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Alors, il est sorti il y a juste une quinzaine de jours. Donc, il vaut 329. Mais il y aura sur le lien Amazon, là, un petit coupon de 40 euros. N'oubliez pas de le cocher pour que je vais vérifier en même temps. Parce qu'il y a des moments où je dis des choses. Donc, il est à 329 euros. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Alors, il est à 329. Est-ce que vous voyez? Tu mets bien? Voilà. 329. Et juste là, vous voyez à côté du truc orange, là, il y a un petit coupon de 40 euros à cocher. Donc du coup, ça vous fait 40 euros de moins. Et il y a un code promo que je vous offre. Alors, c'est pas moi qui vous l'offre, mais c'est Procénic. C'est le F10 Pro PRO32 qui vous offre jusqu'au 10 septembre 32,90 €. Alors, je vais le tester. Parce que il y a des moments, je reçois des messages en me disant bah, « Sandra, ton code, il fonctionne pas. » Alors que chez moi, ça fonctionne. Alors souvent, j'ai la question « Où est-ce que je dois mettre le code ?» Alors, le code, vous le mettez quand vous validez votre panier. Alors, vous voyez, là, moi, je l'ai mis dans le panier. Alors, est-ce que je regarde parce que je ne veux pas qu'il y ait d'informations... Voilà, donc il est dans mon panier. Je vais faire passer commande d'un article. Là, je vais avoir du coup le code qui va se mettre. Vous voyez, là, il est passé à 289 au lieu de 329. Est-ce que... Parce qu'en fait, il y a le code promo. Alors là, je ne peux pas vous montrer où il faut que je mette mon doigt sur cette partie ici. Voilà. Donc vous voyez ici, je vais enlever la luminosité, ça va peut-être être mieux. Hop. Donc là, ici, il est passé au prix de 329, comme quoi que j'ai bien mis le coupon. Vous descendez. Il y a le choix des cartes bleues, il y a le fait de pouvoir payer par carte bancaire, là, en 4 fois ou 24 fois avec Cofidis. Vous descendez toujours. Alors, je regarde si je peux vous montrer. Je vais juste, hop là. Et quand on descend... Tout en bas, là, il y a écrit carte cadeau, passe, code et code promotionnel Amazon.fr. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous faites saisir le code. Donc, je vais aller chercher le code. Alors, surtout, passez par le lien que je vous ai mis. Parce que si vous passez par un autre lien, ça risque peut-être de ne pas fonctionner. Alors, je mets le code. Hop, et vous faites du coup, alors attendez, hein, je regarde si, et vous faites appliquer. Vous voyez juste à côté ici, vous faites appliquer. Et là, il est écrit votre code promotionnel a bien été appliqué. Donc vous voyez, je viens de le tester avec vous, il fonctionne bien. Donc du coup, quand vous faites continuer... Il y a un code du coup en tout, un bon de réduction. Alors avec les 40 euros plus mes 32,90 €, ça vous fait 72,90 € en moins. Vous voyez, attendez, je regarde à chaque fois qu'il n'y a pas d'infos. Mais là où c'est coché, je ne sais pas si vous voyez,
il y a la remise qui s'est rajoutée aux 40 euros. Donc il y a 72,90 € qui est mis. Donc vous voyez là il fonctionne, tout va bien, et je vous ai montré en même temps où est-ce que vous devez mettre le code. C'est vrai que c'est pas explicite, hein. Souvent on le voit pas, et puis il faut vraiment descendre tout en bas pour pouvoir le trouver. Donc alors je vous mets du coup le lien en barre d'infos, le code promo en barre d'infos, et comme je vous ai dit il est valable jusqu'au 10 septembre. Et je vous reparle de cet aspirateur dans quelques jours. Je vais essayer de le faire assez vite avant que la promo se termine. Je continue à le tester et je comparerai du coup celui-là avec le F20 pour que vous puissiez voir un petit peu les différences entre les deux. Et du coup, il vous revient avec les remises à 256,10 € au final. Voilà. Et le code, c'est F10 Pro 32. F10 PRO 32, et je vous le mets ici pour être sûr. Donc voilà. Ouf, j'ai un coup de chaud, il fait lourd dans la maison, j'ai ouvert un petit peu mais il pleut. Alors, j'ai ma pâte qui a bien levé, je vais préparer deux plaques pour les faire cuire. Comme je vous ai dit, je vais faire des petits comme des petits sandwichs en fait. Bon, alors après je pourrais en faire une grande et la couper. Ouais, je vais peut-être faire ça. Entre les deux, mon cœur balance. Allez, on va faire des petits. Indécise que je suis. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive sur les plaques. Je vais venir hop, la graisser comme ça avec les mains. Voilà, faire pareil avec l'autre. Les mettre de côté. Plan de travail, je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais venir mettre ma pâte. Alors je mets pas de farine parce que c'est l'huile d'olive en fait qu'il faut mettre avec pour la focaccia, autrement vous allez avoir une couche de farine et c'est pas ce qu'on veut sur la pâte. C'est une pâte qui est en plus assez hydratée comme je vous ai dit, donc elle est assez collante. Je vais en mettre un peu sur mes mains. Et je vais venir étaler en rectangle. Hop, je nettoierai ma bouteille après. Alors, attraper. Hop. Faire comme un portefeuille. Vous voyez, elle est bien, bien élastique. Petit cheveu. Yep. Qui ne veut pas me lâcher. Et là, je vais venir avec mes doigts pour essayer de faire un rectangle. Alors, s'il faut... N'hésitez pas à la laisser reposer un petit peu pour qu'elle... Parce que vous voyez là, elle se rétracte. Donc vous la laissez poser pendant 10 minutes et elle va se redonner. C'est parce qu'on a travaillé le gluten, donc elle redevient élastique quoi, en fait. Je vais venir étaler en un rectangle pour pouvoir après couper. Des petits carrés dedans. Vous voyez, je ne l'étale pas avec un rouleau. Je viens l'étaler avec mes mains. Je viens agrandir le rectangle un petit peu à la fois. J'essaye d'avoir de la pâte, une pâte assez régulière pour ne pas en avoir des épais. Et des autres qui sont trop fins. Voilà. Et là, je vais laver mes mains.
je vais prendre mon couteau et couper des morceaux dedans et les poser sur la plaque. Alors, j'ai coupé en trois d'un côté. Je vais faire le même de l'autre côté. Bon, après, ils ne sont pas réguliers, mais de toute façon, la focaccia, c'est pas régulier. Là, je vais attraper mes morceaux et venir les poser, du coup, sur ma plaque que j'ai huilée. Du coup, une fois qu'ils sont coupés et mis sur la plaque huilée, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu les aromatiser. J'ai mis un petit peu de pesto. Je vais remettre un petit filet d'huile d'olive au-dessus. Et après, je vais mettre de la mozzarella râpée qui me reste. Donc, je vais venir voilà, hop, faire des petits trous. Bien mettre un petit peu de pesto partout. J'essaie de garder leur forme un petit peu carrée, enfin rectangulaire. Ça sent bon, ça sent l'été qu'on n'a pas dans le ciel. J'aurais pu mettre aussi, c'est des petites tomates, mais comme je vais en mettre à l'intérieur, je me dis que ça sera peut-être suffisant. Par contre, elles risquent de se coller ici. C'est pas grave. Je les décollerai après. Je vais essayer de la pousser un peu. Voilà. Alors, je les fais quand même assez épaisses pour pouvoir après, vous voyez, les couper dans l'épaisseur, quoi, en fait. C'est pour ça que j'essaie de rapprocher un tout petit peu les bords pour qu'elles restent assez épaisses. Pas trop les étaler, là. Je vais mettre aussi un peu de sel sur le dessus. Comme il n'y en a pas beaucoup dans la pâte. Déjà la dernière fois, Greg a trouvé qu'il manquait de sel. Pourtant, il y en avait au-dessus. Hein, mais Greg, c'est une bouche. Il aime le sel. C'est pas trop bon. Hein. Il en faut quand même. Enfin, quand on n'a pas de problème de santé, bien sûr. Il en faut parce que notre corps en a besoin. Mais il en faut pas trop. Juste milieu. Voilà. Et je vais rajouter un peu de fleur de sel dessus. Mon sel en flocon là que j'ai mis la dernière fois. Et ensuite, je vais mettre de la mozza. Je vais peut-être pas mettre de mozza, indécise que je suis. Parce qu'en fait, je vais mettre du chèvre à l'intérieur. Donc je me dis, oui, il faudrait que je mette quelques petits morceaux de chèvre au-dessus. Mais Gray n'aime pas le chèvre chaud. Je pense que ouais, je vais laisser comme ça et puis on rajoutera ouais, du chèvre à l'intérieur et de la tomate. Et peut-être heureux un peu de pesto pour celui qui veut. Ouais, là je vais lancer mon petit focaccia. Je vais laisser refroidir. Angela en a pris deux pour le travail. Là, je vais aller le conduire. Alors, j'ai été déposer Angel, j'ai remis mes plaids tout propres sur le canapé. On avait descendu les coussins et les plaids. Ça commençait à manquer. Il y a deux mois le soir, un petit plaid. Hein, Greg est rentré. On va manger. On va se faire les petits sandwichs. Donc en fait, on coupe la focaccia comme un sandwich. On va mettre tomate et du chèvre et un peu de pesto pour celui qui veut. Alors voilà, du coup, ce que ça donne.
Chèvre, tomate et pesto. On s'est reposé un petit peu, j'ai lu un petit peu. Et j'ai été faire 2-3 courses à grand frais. En fait, ce soir, les enfants, Stacy et Angel, mangent chez leur sœur. En fait, Quentin, en revenant du travail, va aller récupérer Angel. Et Stacy va aller jusqu'à chez sa chercheur. ils vont manger ensemble. Donc, du coup, on a deux ce soir. J'avais prévu de faire des lasagnes ce soir, mais je ne vais pas faire des lasagnes pour nous deux. En même temps, ça m'arrange parce que, comme j'ai rendez-vous au dentiste et tout, il aurait fallu que je les prépare maintenant. Voilà. Donc je vais les faire lundi plutôt. Alors j'ai été chercher de quoi nous restaurer moi et Greg ce soir. J'étais à grand frais, j'ai été chercher ma ricotta. Hop, pour mes lasagnes. Et du coup j'ai pris pour ce soir des tielles sétoises. Hop, on aime bien avec une petite salade. J'ai pris des chips. Alors c'est des chips ail et olive. Et il y avait des petits trucs comme ça en moins 50%. Pour l'apéro de ce soir, j'ai pris aussi une bouteille de vin pour aller ce soir pour notre petit dîner en tête à tête. J'ai pris un petit pot de crème épaisse. J'ai pris aussi de la farine parce que demain, en fait logiquement je faisais des gnocchis demain matin, je sais que je vais avoir la flemme demain matin, on est samedi, voilà, et je me suis dit, quand j'ai voulu les acheter à grand frais, c'était 1,99€, alors ils disent 2-3 personnes, mais c'était un petit sachet, voilà, grammes. Il y avait quoi? 400 grammes, mais en fait ça faisait 3 poignées, même pas, hein. 2 poignées, 2 grosses poignées, une poignée et demie, oui. C'est pas une, et je me suis dit, je vais devoir en acheter, Marine est là demain et on en sera 5. Limite, quand j'ai demandé à Greg, il me dit bah un par personne. Et j'ai dit non mais attends, 2 euros le paquet de gnocchis fois 5, ça fait 10 euros pour des gnocchis. J'ai dit non c'est bon. Donc je vais plutôt faire, vous voyez, les pâtes alsaciennes là. Donc voilà pourquoi j'ai acheté les pâtes, la farine. Et j'ai pris aussi des pommes de terre pour faire de la purée. Donc voilà, et j'ai acheté une botte de carottes. Aussi, c'est pour Blue. Il aime bien les fans, donc du coup, je vais donner les fans et on mangera les carottes. Enfin, il mangera sûrement aussi quelques carottes aussi. Donc voilà. Bon, allez, je vais mettre ça au frigo. Et puis, Greg, du coup, va se mettre au boulot. Il va mettre en peinture le mur qui reste à mettre. Greg est en train de préparer pour mettre en peinture. Moi, j'avais envie de faire des pancakes. Vous voyez les gros pancakes, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est ceux qui sont vachement épais, tout gonflés. Alors, je vous explique, c'est super facile, juste besoin d'un petit fouet. Vous prenez 2 œufs, vous les cassez, vous ajoutez 40 g d'eau. C'est bizarre, mais voilà, faites-moi confiance. Vous mélangez, vous fouettez bien. Vous ajoutez 200 g de yaourt, vous mélangez encore. Une cuillère à soupe de sucre, vous mélangez encore. Et ensuite, donc on a un mélange qui est quand même assez voyez, liquide. On va ajouter, hop là, on va ajouter 200 g de farine et 2 cuillères à café de levure chimique. On mélange bien. Et en fait, l'acidité du yaourt avec la levure va faire que ça va gonfler, 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 et vous allez avoir des gros pancakes bien fluffy. Alors, hop, 200 grammes. Et mes 2 cuillères à café de levure. Et on mélange. On obtient une pâte quand même assez épaisse. Alors, si vous utilisez comme moi du yaourt grec, bien, elle sera bien épaisse. Par contre, si vous utilisez un yaourt style yaourt nature, elle sera un tout petit peu plus liquide. Là, moi, j'ai juste rajouté une cuillère à soupe d'eau pour avoir quelque chose d'un peu plus, vous voyez. Mais elle doit être comme ça. Elle doit être bien épaisse quand même. Et là, il ne vous reste plus qu'à les faire cuire comme vous faites cuire des pancakes. Mais vous allez voir, ça va bien gonfler.
mettez un peu de pâte comme ça, vous la faites, alors vous étalez, vous voyez c'est assez épais, donc elle s'étale pas super bien, elle va gonfler, une fois qu'elle est cuite d'un côté, vous la mettez de l'autre côté. Et vous voyez, regardez ce que ça vous donne. Alors là moi je l'ai farci avec du Nutella à l'intérieur, mettez une petite cuillère de Nutella dedans et puis ça fond. Vous en mangez un, vous en avez largement assez, hein, tellement c'est gros. J'étais lavé mes dents, même s'ils ont été lavés ce midi, hein, mais voilà. C'est le genre de truc, c'est comme quand on va au gynéco. On aime bien prendre une douche avant, même si on en a pris une 2 heures avant. Voilà. Greg a fini de mettre en peinture le mur. On va laisser sécher, puis après on va pouvoir remettre en place. Mais du coup, je pense que les peintures, c'est bon, chérie. Quoi ? Les peintures, c'est bon, là. Tous les murs, ils ont été faits. Bon, bah allez, on va croiser les doigts. Pour qu'ils trouvent. Pas quelque chose de trop grave. On verra bien. Allez, je vous raconte en revenant. Croisez les doigts pour moi. Je suis rentrée. Alors, il sait pas. En fait, il m'a fait plein de radios et tout. Il y a rien de tous les côtés. J'ai strictement rien. Il n'y a pas d'abcès. Il n'y a pas de truc de nerfs enflammés ou quoi que ce soit. Alors, il dit que ça viendrait des gencives. Il dit que ça arrive quand on est... très fatigué, anxieux et tout, bah en fait ça peut jouer aussi là-dessus. Alors il m'a demandé si ça m'arrivait régulièrement, je lui ai dit bah non c'est la première fois, c'est pour ça que je me demandais ce qui se passait. Et il dit parce que la douleur ne devrait pas bouger comme ça et tout, et puis il voit rien. Il dit médicaments, enfin voilà, en faisant les radios, il dit il y a bien tout vérifié et tout, il y a strictement rien vu. Là du coup ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a fait un détartrage, il est venu avec un truc pour nettoyer entre les dents. Il dit parce que ça se peut qu'il y a des moments, c'est vrai qu'il y en avait une de vous qui m'avait dit, il y a des moments il y a quelque chose entre les dents, un peu de tartre ou quoi qui ferait pression et ça peut donner des douleurs. Mais il dit là en fait vous me dites que le mal il bouge quoi, en fait c'est vrai que j'ai commencé par avoir mal là, j'ai eu mal là, il y a deux moments j'ai mal en bas, là j'ai mal ici et voilà. Alors comme je dis la douleur elle est pas super forte, j'arrive à me passer de cachet et tout, mais c'est gênant quoi, en fait on sent qu'il y a quelque chose qui... Et de temps en temps, bah, je sens quand même que je dois prendre un cachet, quoi, en fait. Mais c'est pas comme si je devrais me bourrer de cachet. Vous voyez, c'est pas comme quand on a une carie, que là, la douleur ne passe pas, elle s'atténue pas, et même avec les cachets, vous avez du mal, vous devez tout le temps en prendre, tout en prendre. Là, il y a des moments, bah, je vais en prendre un dans la journée, et puis, bah, je vais rester 2 jours sans en prendre, quoi, en fait. Et, parce que la douleur est supportable. Comme là, je sens, j'ai une petite gêne, mais sans plus. Donc, lui, il dit que c'est sûrement parce que je suis très, voilà, que mon corps, voilà, me dit stop. Il essaye de 1, donc après c'est vrai que peut-être qu'avec les travaux et tout, peut-être que l'anxiété, le stress, le fait d'avoir pris beaucoup sur moi, peut-être que tout ça a joué, la fatigue aussi, voilà. Donc il m'a remis un rendez-vous dans un mois pour voir où est-ce que c'en était, il m'a represcrit un bain de bouche et un dentifrice spécial pour les gencives. Pour voir, comme je vous ai dit, il m'a nettoyé entre les dents et tout pour au cas où, il m'a détartré correctement. Il m'a même fait mal parce qu'il y a deux mois, il insiste bien. Et je sentais que je saignais des gencives. En plus, ben, comme je suis anémique, je saigne très facilement. Et du coup, là, je sentais, quand il m'a fait faire quand il m'a fait rincer ma bouche, c'était rempli de sang, quoi, en fait. Donc on verra, on va croiser les doigts pour que ça passe, puis on va se reposer. Hein ? On verra bien. De toute façon, je peux trop rien faire. Hein. Comme là, c'est ce que je lui ai demandé. Je dis, il faut que j'aille voir mon médecin ou quelque chose si ça passe pas. Il me dit, ben, il dit logiquement, ça devrait passer. Logiquement, voilà, il faut que vous vous reposez et tout, ça devrait passer. Si vraiment, il dit, je pousserai un peu plus. C'est pour ça qu'il m'a redonné un rendez-vous le 6. Parce qu'il dit, si c'est au bout du 6, si vous faites bien le bain de bouche, etc., etc., vous continuez à avoir mal, il dit, ben là, on essayera de pousser peut-être un peu plus... pour voir, mais dit là je ne vois strictement rien, en fait j'ai rien du tout quoi, en fait, donc on verra. J'ai rendez-vous le 6 octobre, donc on va essayer de faire en sorte que, mais bon là avec la rentrée ça risque d'être autre chose. Le stress va remonter un petit peu, mais bon, peut-être qu'après il va descendre aussi, le fait de rester, s'il rentre, ça va peut-être aussi, enfin rentre, si voilà tout se passe bien et tout, ça va peut-être on verra bien. Alors Greg a fini de mettre en peinture du coup le mur. Là il était en train de remettre un petit coup de silicone au niveau du plan de travail. Ce qu'on a la dernière fois d'ailleurs, on en avait mis et en fait je disais à Greg j'ai voulu nettoyer et quand j'ai passé mon ongle dessus j'avais l'impression qu'il était comme pas sec et je lui dis regarde c'est bizarre et alors on n'a pas compris.
Pourquoi celui-là, hein? Il faisait tout... C'est une autre marque que j'ai pris. Et... Voilà, donc du coup, là il utilise le truc d'action et il dit qu'il va bien. Le truc là, le grattoir, il va bien. Bon, après les petits machins là, il aime pas trop. Oh. Il préfère le doigt. Mais ça, il dit que ça va super bien pour enlever. C'est pratique pour celles qui ont des baignoires ou des douches. Avec, vous voyez, dommage, le joint est noirci, il faut le changer. Donc on l'a pas payé cher, on l'a payé à Action, on l'a payé quoi, 2 € des brouettes hein, l'ensemble. Donc ouais, il a utilisé ça, puis il a remis un autre joint pour remplacer celui-là. Et celui-là, c'était d'une autre marque, on l'avait acheté à Leroy Merlin. Le pire, c'est que d'habitude, on l'achète toujours à Action, il n'y a aucun souci. Là, il y en avait acheté à Leroy Merlin, et celui-là, il n'a pas séché. Celui-là, je dis, je vais prendre celui-là, et après quoi. Il était pas cher, j'aurais dû m'en occuper. Bah il y a des moments ça veut rien dire, hein. Regarde Action, il est pas cher et il fonctionne bien. Encore hein. Moins cher que celui d'Action. Hein. Ah bon, ah oui, ouais, bon, c'est un peu bizarre, ouais. Il faut que je mette un commentaire. Et là il a remis un coup de peinture sur l'étagère, mais comme je lui ai dit, j'aurais bien voulu qu'il mette un peu de peinture dans les trous. Alors il avait poncé, donc du coup elle a plus de trous, mais juste un peu de peinture, vous voyez, dans les trous là où il y a les vis, comme ça on les voit moins quoi en fait. Donc je vais aller chercher le pinceau, je vais mettre ça. Cécile, elle est partie chérie? Oui. Ouais. Je voulais la déposer et elle m'a dit qu'elle voulait aller en bus, donc c'est tout. Hein. Elle devient de plus en plus indépendante, elle prend de plus en plus de... Hein, de confiance en elle, c'est cool. Elle, je lui ai dit, ben, je te dépose en passant, elle me dit non c'est bon, je vais aller en bus ou à pied. Bon après Kimberley elle est pas loin, hein. Elle a 2 rues, on va dire 3 rues de chez nous. Bon c'est une longue rue donc... Mais voilà, elle en a pourquoi 5 minutes en bus. Puis le bus à la maison, il s'arrête, enfin voilà, il est pas très loin et il s'arrête pas très loin de chez Kim. Elle doit marcher 3 pas, quoi, en fait. Bah oui, j'arrête pour ce soir. T'arrêtes pour ce soir? Je vais juste remettre un petit peu de peinture pendant que t'as encore tes pinceaux. J'ai bouché les trous, du coup, ça se voit moins. Vous voyez? Alors, j'ai pas pu les boucher, hein, comme je vous ai dit, c'est pour avoir encore accès si on doit enlever l'étagère. Donc, on peut pas les boucher, mais voilà. Au moins, on les voit moins, le fait qu'ils sont en blanc à l'intérieur. Bon, un petit peu à la fois, ça avance. Les peintures sont finies, il reste 2-3 petites finitions à faire et puis il y a la moulure, enfin t'as appelé ça comment? La goulotte. T'as appelé ça comment? La goulotte. Ah oui, c'est une goulotte. À mettre au niveau, et puis de la mettre en peinture aussi pour la télé. Ah, il faut qu'on fasse l'étagère aussi à remettre. Avant que je la mette, faut qu'on fasse un essai. Pour voir si tout y rentre. Non. En fait, ce qu'il y a aussi... C'est voir si en mettant le primaire, on... Ah, pour la peinture, ok. Oui. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, la télé, on a fait en sorte... Vous voyez qu'elle a un bras, en fait, qui permet de l'avancer, de la tourner, pour que quand on est dans la salle à manger ou quoi, bah, on puisse la tourner, vous voyez, pour qu'on puisse la voir, quoi, en fait. Donc, les fils, si on les mettait dans le mur, c'est ça aussi qui nous embêtait, parce qu'on s'est dit, on va devoir à chaque fois repasser le fil dans le mur. Là, on va voir ce que ça donne, parce qu'il ne faut pas que ça tire, du coup, sur la goulotte, mais on va devoir quand même remettre le fil, je pense, à l'intérieur. Enfin, on verra. Mais, ouais, on verra si ça fonctionne. Bon, allez, je vais mettre... on va se boire un petit apéro, et puis on va se mettre... On va mettre les trucs dans le four. Puis on va essayer de se trouver un petit film. Hein, chérie? Ouais. Alors, on va tester un... Comme un gingerbread. Comme un muscomoule. Donc, logiquement, ça se fait avec du gingerbread. Beer. Et mais là, en fait, quand on avait été... C'est à Colruyt, hein, c'est ça? C'est là où on achète d'habitude notre ginger beer. Et en fait, la même marque faisait un pink grapefruit. Donc on s'est dit qu'on allait goûter. Donc c'est la même marque que notre ginger beer qu'on prend d'habitude pour faire du coup les muscomoules et ou les autres mules avec du ginger beer, parce que maintenant ça s'est décliné même avec du rhum. Hein. La dernière fois, c'est là où on a passé Nouvel An, hein, qu'ils avaient plein de trucs avec, ils faisaient des Cuba moules avec du du Cuba moule. Enfin, il y avait plein, ça venait de Cuba, donc il y en avait avec du rhum, il y en avait avec Caraïbes, ouais, avec, il y en avait avec du rhum, il y en avait avec avec tous les alcools blancs, quoi, en fait, hein, un peu fort. C'était toujours la même base, mais changer l'alcool. Là, on va garder la même base, donc avec de la vodka, mais on va essayer avec ça à l'intérieur, du coup. Alors, je pense que c'est de la limonade au pamplemousse, je pense.
Bon, bah alors en fait, les tielles sétoises, là, ça cuit super méga vite. Il est écrit 6 à 8 minutes dans un four à 210. Donc, je vais attendre avant de les mettre. Ouais, ce que ça donne avec du pamplemousse. Avec modération, bien sûr. On a fini de manger. On est en train de regarder un film, mais bon, il est pas terrible. Je vais le finir, mais allez faire un, prendre une petite douche et aller faire un gros dodo. Puis écoutez si les loulous y rentrent bien. Moi, c'est Quentin qui les ramène, hein, mais plus fort que moi. Allez, je vais vous faire des bisous et du coup, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère qu'il fera soleil chez vous. Profitez bien de votre dernier week-end avant la reprise de vos monstres. Et je vous dis du coup à lundi. Bisous à lundi. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you.